sommes prêtes. Combien de temps allons-nous attendre? Les filles, je suis trop triste pour aller à l'école. Diana, allez, tu vas rien faire à ce sujet. Tu ne veux pas continuer à vivre? La vie continue. Allons à l'école. Montre qui est la patronne. Nastia, comment peux-tu dire ça? Mon cœur est complètement brisé. Tu n'as même pas vécu les choses que j'ai vécues. Les filles, allez à l'école, je vais rester ici. Tu sais, Diana, tu dois te lever et aller à l'école maintenant. Sinon, j'appelle ta mère et tu auras des problèmes. Tu es sûre que Smile et Anna en valent la peine? Allez, réfléchis et réveille-toi d'une fois. Oui, Diana, tu n'as que 16 ans. Ta vie est encore à venir. Yana est une traîtresse. Elle t'a trahi à toi, Bros, et elle trahira Smile. Alors, allons à l'école. Diana, allons-y, crois-moi. Yana ne va pas se sentir à l'aise maintenant. Nous sommes trois et elle n'est qu'une. Imagine la façon dont elle va se sentir en notre compagnie. Diana, si j'étais toi, je virerais Yana de notre équipe. Elle peut aller embrasser Smile si elle veut. Vous avez peut-être raison, les filles. Si nous faisons ça, Yana n'aura pas d'autre choix que de se sentir horrible. Vous m'avez convaincue. On va aller à l'école et je ne vais pas les laisser m'embêter. Mince, les gars. Bros se comporte bien. Attendez, peut-être qu'il ne sait rien encore. Il sait tout. Les filles, faisons comme si nous ne savons rien. Bros est si gentil. Pardonne tout à Yana. On ne peut pas pardonner des choses comme ça. Dis-moi, pourquoi Bros est sans Yana? Est-ce qu'elle manque les cours aujourd'hui? Kosia, laisse-moi. C'est que je ne surveille pas ma sœur. Je ne me soucie pas d'elle. Je ne comprends pas. Tu pars derrière mon dos? Non! Bros, tu vas bien? Julie, je ne comprends pas. Tu t'inquiètes pour lui? Mince, il n'a pas l'air d'un type triste. Il sourit comme d'habitude. Non, chérie, c'est juste que le sujet m'intéresse. Bros, où est Yana? Tout va bien? Kosia, ne lui demande pas pour Yana. Nous allons bien. Smile a besoin d'aide et Yana lui donne un conseil. Bros, ne dis pas à ma sœur que Yana et Smile sont. Oui, dis-moi, ils sont ensemble. Enfin, pas encore. C'est nécessaire. C'est pour l'affaire. Foutu! Comment Yana a pu? Elle était l'amie de Diana! Marusia, Diana et moi étions des amis aussi, et alors? Salut les gars! Pourquoi êtes-vous si surpris? Je le sais que je suis belle! Dis-moi, regarde! Est-ce qu'ils sortent ensemble? Je ne sais pas. Yana, salut! Je suis choquée! Comment Yana a-t-elle pu venir à l'école après tout? Elle n'a pas honte! Et si Diana venait maintenant? Vous imaginez? Honte à Yana! Elle a fait du mal à Diana! Yana, calme-toi! Tu devrais te calmer! Je suis venue à l'école avec Smile et alors? Les filles, j'ai un truc cool! J'ai acheté des cosmétiques, venez voir! Vous allez rêver debout! Oh! Quoi de neuf, Smile? Les conseils de Yana t'ont aidé? Bah, c'est foutu! Pourquoi tu m'as dit de parler à Yana? J'ai peur de ses recommandations. Tu ne comprends pas, Smile. Yana ne peut pas te donner de mauvais conseils. Bro, c'est à cause de ses conseils que Yana m'a rembarré. Smile, ce n'est pas à cause des conseils de Yana. C'est parce que toi mal écouté. Écoute, fais comme ta Yana. Les filles, regardez, c'est le fond de teint Givenchy. Marusia, c'est tonton. Et ça, c'est le tien, Gigi. Smile, où vas-tu? Viens ici maintenant. C'est foutu. Wow, Yana, je veux ce gommage anti-cellulite, c'est combien? Julie, ce gommage est luxueux, avec du sable blanc. Mais d'accord, je vais te le vendre pour 100$. D'accord, je le prends. Yana, je veux ce parfum. Combien il coûte? Oh, Gigi, bien, tu peux le prendre à seulement 250$. Ok, Yana. Yana, quel parfum, quelle odeur, c'est combien? Oh, Marusia, ce parfum est vraiment cher. Marusia, prends-moi un parfum aussi, Gigi, et pour moi aussi, si tu peux. Quel genre de cosmétique c'est? Pourquoi c'est si petit? Dis-moi, ta sœur a un talent pour vendre de la camelote. Ce sont des testeurs, ils sont gratuits. Kosia, je me fiche de ces affaires. Gigi, sans ce parfum. Yana, où as-tu eu ces choses? C'est de l'étranger, ce sont des cosmétiques de luxe. Yana, Yana, est-ce que Smile et Diana vont bientôt faire la paix? Tout va bien, Bros? Tu as déjà mangé? Non. Alors va manger quelque chose. Les filles, regardez, c'est vraiment cool. Ouais. Diana, tu ferais mieux de ne pas y aller. Ils sont là-bas. Ne t'inquiète pas, je m'en fiche d'eux. Oh, voilà Diana, la pom-pom girl. Ça va être cool. Oh, Kosia, Diana est là. Elle va tirer Yana par les cheveux. Oh, Yana le fera. Les gars, fermez-la. Les filles, le magasin ferme. Hé, hey, Yana, je veux acheter quelque chose de plus. Les filles, vous ne comprenez pas, à la prochaine pause. Smile, on y va. Diana, elle t'a montré son doigt du milieu? Ouais, les filles, c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec Smile? Il a hypnotisé? Je ne comprends pas. Est-ce que Smile sort avec Yana? Hier, on était chez Diana et toi, elle est bien. Leur relation change à toute allure.
Dis-moi, je me demande pourquoi Yana a commencé une relation avec Smal si elle est encore avec Browse. Kosia, Yana est géniale. Elle attrape tout. Yana, qu'est-ce que c'était? Il vaut mieux tout expliquer à Diana. Smal, tu es fou. Elle nous a virés de sa maison hier. Nous devons continuer jusqu'à la fin. Yana, tu m'as embrassé. Pourquoi? Smal, tu es trop bête. Tu ne comprends pas que je ne m'attendais pas à ce que Diana arrive si vite. Je voulais t'aider à faire la paix. Yana, c'est bien que tu aies vu Lul nous aider. Mais pourquoi m'as-tu embrassé? Smal, nous allons continuer à faire semblant d'être ensemble. Puis Diana deviendra jalouse et viendra s'excuser. Tu vas voir, ça fonctionne. Yana, tu es folle. Tu m'as embrassé et elle avoue. Écoute, tais-toi et allons-y. Qu'est-ce que je suis censée te faire? Je dois encore voir son visage pendant l'entraînement? Diana, montre-lui qui est la patronne. Elle a de la chance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense qu'elle est qui? Diana, c'est vrai que Yana sort avec Smile? Mince, Diana, qu'est-ce que tu en penses? Diana, qu'est-ce que tu ressens? Tu as le cœur brisé? Écoutez, ce qui se passe dans ma vie privée ne vous regarde absolument pas. Diana, je peux te féliciter. Tu es célibataire maintenant. Dis-moi, attends, tu dois lui laisser du temps. Ne viens pas la voir tout de suite. Les gars, c'est génial que nos petites amies ne soient pas des pom-pom girls. Oui, la vie des cheerleaders est incertaine. Tout change. Gigi, viens ici. Tout me manque. Oh, Dima, désolée. Je n'avais pas remarqué que tu étais là. Diana, Dima a commencé à se piquer. Écoute, Dima, je préfère être célibataire que de sortir avec toi. Oh! Dima, qu'est-ce que tu fais? Elle te rejette toujours. Kosia, j'ai de nouveau de l'espoir. Diana sera à moi. Rendez-moi la balle. Ouh! 1, 2, 3! Regardez les filles, tout d'un coup, elle est à l'heure. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oh, Diana, Yana va être brisée quand tu lui diras qu'elle n'est plus une pom-pom girl. Et moi, j'ai hâte de voir ce film-là. Non, Nastia, je ne suis pas encore prête de la virer de l'équipe. Je veux voir pourquoi elle pense qu'elle peut se présenter ici après ce qu'elle m'a fait. Franchement, je ne comprends pas son comportement. 1, 2, 3, 4. Elle agit vraiment bizarrement, les filles. Elle pense vraiment qu'elle peut nous éviter en allant dans une autre partie de la pièce. Ouais, elle a peur. Bien sûr qu'elle a peur. Elle sait qu'elle a embrassé ton petit ami et maintenant Diana peut la battre. Et moi, je suis ici pour le show. Nastia, je suis une femme. Être violente n'est pas mon truc. Mais ne t'inquiète pas, je vais gérer les choses à ma façon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Les filles, regardez l'expression de suffisance sur son visage. 7! Encore! Smile, salut, je peux te parler. Entre, Browse. Smile, dis-moi, allez, est-ce que les conseils de Yana t'aident? Toi, essayer de faire la paix avec Yana? Browse, je peux te demander quelque chose? Oui. Aimes-tu vraiment Yana? Smile, pourquoi tu demandes ça? Bien sûr que je l'aime. Je vois. Smile, pourquoi tu demandes ça? Est-ce que tu l'aimes aussi? Bien sûr que non, Browse. Je suis juste intéressé de savoir comment tu peux sortir avec elle. On est bien. Elle me donne tellement de bonnes recommandations. Cool, Browse. Tu as vraiment de la chance. Allez, Smile, ne te fâche pas. Tout va être génial. Tu vas faire la paix avec Yana. Yana ne peut pas donner de mauvais conseils. Yep. Frère, je suis ici pour toi. Je dois arrêter d'écouter Yana. Je dois agir. 3. Écoute, Diana, pourquoi tu me regardes comme ça? Oh! Excuse-moi, Yana, mais si j'étais celle qui a embrassé ton petit ami, tu ne me regarderais pas de la même façon? Diana, contrairement à quelqu'un, je n'en voudrais pas à mon ami. Yana, je ne te comprends pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment as-tu pu embrasser le petit ami d'une autre fille? Diana, tu ne veux pas me comprendre. Tu te plains, mais tu ne connais pas la vérité. Diana, dis-lui. Diana, comment peux-tu supporter ça? Écoute, Yana, j'en ai assez entendu, d'accord? J'ai ouvert la porte et tu embrassais mon petit ami. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Diana, tu m'as demandé pourquoi je faisais ça? Il n'y a aucune raison que je puisse accepter que tu fasses ça. Bonjour, les pom-pom girls. Salut, Smile, tu es là pour moi. Mon entraînement est terminé, on y va. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas avec Yana? Eh bien, Nastia, on dirait qu'elle a craqué pour Smile.
elle peut l'avoir. Smile, tu as passé une bonne journée? La mienne était parfaite. Smile, on y va. Qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien d'intéressant. Diana, ne dis pas que tu ne vas pas à l'école demain. Nastia, comment peut-elle aller à l'école? Non, les filles, je ne vais pas sécher l'école. Les filles, avez-vous vu Bros quelque part? Diana, tu sens ça. Je ne sais pas pour vous, les filles, mais je suis choquée. Quel genre de meilleure amie elle était? Si vous vous abonnez à la chaîne, vous verrez ce qui se passe. Il n'y a pas moyen que je laisse ça passer. Bien sûr, Diana, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Que ferait une amie pour voler le petit ami de ses amis? C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Bye!